Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity Photo. Alors on va voir dans ce tuto comment détourer un objet à la plume et en particulier comment procéder lorsqu'on a un vide dans l'objet, comme ici l'anse de mon mug. Dans le cours complet Affinity que vous trouverez sur la chaîne Photophile, vous avez deux cours consacrés à la plume. Donc là je ne vais pas reprendre toutes les bases de la plume, je vous laisse vous y reporter si besoin. Ici, donc, je prends mon outil plume, je fais un cliquer-glisser le long de mon objet. Ici, même chose. Ici, il va falloir que je redirige la ligne directrice. Donc, les deux petits ronds sont aux extrémités des lignes directrices. Et ça, c'est le point d'ancrage, c'est-à-dire le point qui est sur le tracé. Ici, pour rediriger, je maintiens CTRL et ALT et je dirige, donc je donne la direction de la courbe suivante. Même chose ici, je redirige la courbe suivante. Donc encore une fois, c'est une technique qui va très vite. Une fois qu'on a un petit peu l'habitude, je redirige à chaque fois. À noter que si je n'ai pas lâché le point directeur, là quand je l'ai lâché, il faut que je maintienne CTRL et ALT pour rediriger. Par contre, si je ne l'ai pas lâché, je peux directement rediriger avec la touche ALT. Donc là, je vais aller très vite, c'est essentiellement pour vous montrer ensuite comment on va faire pour soustraire la zone de l'anse. Donc vous voyez, je positionne mes points, j'ai pas besoin de positionner des points tous les centimètres, hein. Je positionne les points en fonction de la forme de l'objet, c'est-à-dire que quand c'est une zone qui ne change pas de direction, ben je vais mettre des points assez espacés. Inversement, quand j'ai les changements de direction, je vais mettre des points plus rapprochés. Et je me déplace dans l'image avec la barre espace maintenue. Pareil, si j'ai mis un point trop à l'intérieur, vous voyez, je le repositionne avec la touche contrôle. Donc là, on va avoir fini le contour de mon mug. Je viens boucler sur le point de départ en maintenant la touche Alt et pareil en faisant un cliquer-glisser. Voilà. Dans la palette des calques, vous voyez que j'ai obtenu donc cette courbe, ce calque courbe, qui définit l'extérieur de mon mug. Il va falloir maintenant que je détoure l'anse. Donc je refais la même manœuvre, je zoome un petit peu et voilà. Je prends toujours avec l'outil plume, je vais mettre mes points ici. Je redirige et je vais donc détourer l'intérieur de cette anse. Donc pensez bien quand vous faites des détourages, à toujours regarder quelles sont les zones qui vont être des vides dans votre image finale. Voilà, j'ai donc obtenu deux calques de courbe, le premier qui correspond à l'extérieur du mug, le deuxième qui correspond à l'intérieur du mug. Il va falloir que je soustraie en fait ce tracé au tracé extérieur. Pour ça, je vais cliquer sur le premier tracé, je maintiens la touche majuscule et je clique ici sur le deuxième. J'ai donc mes deux tracés sélectionnés à l'écran et je vais pouvoir aller dans le menu calque, géométrie, soustraire. Donc menu calque, géométrie, soustraire après avoir bien sélectionné vos deux tracés. À partir de là, je n'ai plus qu'un seul tracé, vous voyez, je n'ai plus qu'un calque courbe, un seul calque courbe, qui inclut mes deux tracés précédents. Si je convertis en sélection, donc ça se passait ici, hein, vous avez trois onglets, plume, masque, sélection. Je convertis en sélection ici, je vais venir copier, édition, copier, et je vais venir poser ce mug sur un document sur fond noir pour voir la qualité du détourage. Pour ça, édition, coller. Voilà. Là, vous voyez, j'ai bien un vide à l'intérieur de mon objet. Et ensuite, ça me permet, le fond noir me permet souvent de contrôler un détourage pour voir que si il est propre. Là, c'est à peu près le cas. Hein. Donc, au niveau de la manœuvre, encore une fois, vous trouverez sur la chaîne de Photophile deux cours. De mémoire, le numéro 4 et 5 d'Affinity Photo sont consacrés à la plume.
Donc reportez-vous-y si vous avez besoin de voir déjà les bases de la plume. Ensuite, pensez bien que je fais mon premier tracé extérieur. Je fais mon deuxième tracé qui va correspondre à l'intérieur, aux zones qui vont être vides en fait. Je sélectionne les deux et je vais dans le menu calque, géométrie, soustraire pour en fait n'obtenir qu'un seul tracé qui soit le tracé résultat de mon objet. Voilà, j'espère que ce tuto est clair, qu'il vous aura aidé pour vos détourages et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile pour d'autres tutoriels.